Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler du ver de terre. Je crois qu'on est tous conscients de l'intérêt d'avoir des vers de terre dans son jardin. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mesurer un peu l'étendue du travail réalisé par le ver de terre. Comment favoriser leur développement dans nos parcelles et puis comment les protéger également. Voilà. Alors, les vers de terre sont à la fois des indicateurs et des acteurs, évidemment, de la qualité de nos sols. Ils sont très nombreux, ils représentent à peu près 70% de la biomasse terrestre, en comprenant l'homme. Alors, on en compte environ 100-150 espèces en France, à peu près, et on considère que 8 à 10 espèces cohabitent sur un milieu donné, hein, dans un même environnement. Alors, les vers de terre n'ont pas d'yeux, n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas de poumons non plus, ils respirent par la peau, et on reconnaît l'avant de l'arrière assez facilement à la présence de cet anneau, ce renflement là qu'on appelle le clitellum. Ce clitellum va d'ailleurs intervenir dans la reproduction par parthénogenèse, hein, puisque les vers de terre sont à la fois mâles et femelles. En fait, ce clitellum va ensuite produire le cocon, hein, qui accueillera la descendance du ver de terre. Alors, ces vers de terre sont rangés en trois grandes catégories, les épigées, les endogées et les anéciques, qui prennent chacun des fonctions très particulières. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, les vers épigées, très communs, se reproduisent abondamment parce qu'ils sont très sensibles à la prédation, puisqu'ils n'évoluent qu'à la surface du sol. Ils se nourrissent essentiellement de matière organique et ingèrent assez peu de terre. Les vers endogés, quant à eux, sont apigmentés, hein, donc ils sont plutôt blanchâtres, et ils évoluent sous la surface du sol, ne voient en principe jamais la lumière du jour. Eux se nourrissent de matière organique, mais également un peu de terre, hein. Alors, les anéciques, quant à eux, creusent des galeries verticales ou subverticales et viennent chercher de la matière organique sur la surface du sol, l'enfoncent dans leur galerie, l'ingèrent, la mélangent avec la terre qu'ils ont remontée du sous-sol, finalement, et ils sont responsables également des tortillons caractéristiques qu'on trouve à la surface du sol et qu'on appelle des turricules. Alors, les vers de terre sont capables de brasser jusqu'à 30 tonnes de terre par hectare et par an, c'est quand même considérable. Et si on ramène ça à l'échelle du potager qui dit non, eh bien ça va représenter une tonne d'œufs, hein, chaque année qui sera brassée. Ça serait quand même dommage de renoncer à ce service gratuit. Alors, les vers de terre creusent des galeries sous terre, bien entendu, et selon Marcel Boucher, qui est un grand spécialiste français des lombriques, eh bien, sur une surface d'un hectare, à 6 cm seulement de profondeur, les galeries représentent à peu près 400 km de longueur, hein, mis bout à bout, ce qui représente un trajet Paris-Vannes à vol d'oiseau, c'est quand même considérable là encore, hein, et ramené donc à 1 mètre carré, ça représente 400 mètres linéaires de galeries. 400 mètres linéaires de galeries sous 1 mètre carré de sol. Alors, ces galeries sont très importantes puisqu'elles vont permettre une bonne circulation de l'air dans le sol et d'oxygéner donc les bactéries qui ont besoin d'oxygène, les bactéries aérobies. Hein, il faut savoir que 80% des bactéries du sol, des bactéries aérobies en tout cas, colonisent les parois des galeries des vers de terre dans le sol. Par ailleurs, ces galeries permettent vraiment de limiter les phénomènes d'inondation que l'on connaît récemment, hein, ça c'est très clair. L'eau pénètre beaucoup mieux dans le sol, jusqu'à 170 mm à l'heure, hein, donc 170 litres par mètre carré par heure qui sont absorbés dans le sol grâce aux galeries des vers de terre. Ces galeries permettent également une bonne progression des racines dans le sol. Les turricules des vers anéciques sont particulièrement riches en matière organique et fertilisent grandement le sol. Ces turricules sont très riches en éléments minéraux et possèdent 5 fois plus d'azote assimilable que le sol, 2 fois plus de calcium, 2 fois et demi plus de magnésium, 7 fois plus de phosphore et enfin 11 fois plus de potassium donc que le sol environnant. C'est vraiment très très important. Certaines espèces de lombriques sont capables de réguler les populations de nématodes, qui sont pour certains nuisibles à nos cultures, et d'autres espèces encore peuvent produire des phytohormones qui vont stimuler la croissance des végétaux. Il est absolument impossible de remplacer le travail réalisé par les lombriques par des interventions mécanisées.
Ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'on est passé de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare en 1950 à 200 kilos aujourd'hui. C'est vraiment très très important. La population des lombriques est en chute libre et il faut vraiment intervenir pour les sauver au même titre que les abeilles par exemple. Alors le paillage par exemple permet de bien protéger les lombriques, notamment en préservant une bonne humidité. Il faut savoir que dès que le temps est un peu trop sec, les lombriques se recroquevillent dans le sol, dans des cocons de mucus et entrent en léthargie en quelque sorte. Il conviendra également d'éviter l'emploi d'outils à lame, binettes, bêches, etc. qui vont sectionner ces lombriques. Bien évidemment, un lombric coupé en deux ne produit pas de nouveaux lombriques. Il meurt la plupart du temps, tout simplement. Si vraiment vous tenez à travailler le sol, essayez peut-être de limiter vos interventions au printemps et en automne, période de forte activité pour les lombriques. Ils sont un peu moins actifs en période de gel, mais également en plein été lorsque les sols sèchent davantage. Alors ces travailleurs du sol ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, il est intéressant de les nourrir, clairement. Ils sont capables de digérer énormément de matière organique, il faut leur apporter la cellulose dont ils ont besoin. Sur un jardin comme le potager qui dit non, qui fait 150 mètres carrés, eh bien ça va être 750 kg quand même de déchets type épluchures par exemple, qui vont être consommés, assimilés chaque année. Une rotation diversifiée des cultures, c'est aussi très bon pour les lombriques. Au potager qui dit non, ça ne sera pas formalisé, il n'y aura pas des planches de culture qui vont se déplacer chaque année d'une planche à l'autre. Il y aura plutôt un peu au gré des places qui vont se libérer, voilà, de l'implantation de nouveaux légumes, disons dans quelque chose finalement qui sera joyeusement désorganisé. Alors attention, on entend parfois parler d'apport de lisier, d'urine, etc., de ce genre de produits. Oui, pourquoi pas, mais alors fortement dilué. Sinon, vous risquez simplement de tuer les lombriques qui se trouvent en dessous. Ces produits-là ont besoin d'être fortement dilués avant d'être répandus sur le sol. Alors évidemment, les lombriques sont sensibles à l'emploi d'un certain nombre de produits. On a parlé récemment dans la vidéo consacrée à la bouillie bordelaise de la sensibilité des lombriques au cuivre. Il est évident que moins on utilisera de produits sur le potager, même à réputation bio, moins on utilisera de produits, mieux ça sera pour les vers de terre. Enfin, pour le bien-être des lombriques, il serait intéressant de conserver un sol bien drainé. Les lombriques redoutent les sols hydromorphes, bien entendu, et avec un pH neutre ou légèrement basique, en tout cas au-dessus de 5,5 pour le pH, ça sera bien. Alors en dehors de l'activité humaine, bien entendu, les lombriques font l'objet de prédations, hérissons, blaireaux, renards, les oiseaux, bien entendu, certaines espèces de carabes consomment les lombriques, ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais depuis quelques années, les vers de terre d'Europe sont aussi menacés par plusieurs espèces de grands vers plats, qu'on appelle des platelminthes, une espèce invasive ou susceptible de le devenir, qui a été importée accidentellement, probablement de Nouvelle-Zélande. Ce vers plat est assez facile à reconnaître, il est un peu aplati, noir, avec deux bandes dorées qu'on peut distinguer. C'est un organisme d'apparence anodine, mais d'un impact majeur pour l'environnement. Les platelminthes ont été observés la première fois en France en 2013, sur 3 sites distincts, et c'est quand même préoccupant. Il faut savoir qu'en Angleterre, les lombriques ont quasiment disparu du territoire du fait de l'invasion vraiment de ce ver prédateur. Alors si votre parcelle souffre un peu de l'absence de lombriques, sachez qu'il n'est jamais trop tard. On peut réussir à les faire revenir, simplement ça prend un peu de temps. La recolonisation du terrain va se faire en 1 à 2 années pour les vers épigées. Par contre, ça sera plus long pour les vers anéciques, pour lesquels il faudra compter 5 à 7 ans quand même. Alors je crois qu'on peut quand même garder espoir quant au devenir du lombric sur le territoire français. On parle aujourd'hui de 30% des terres cultivées qui ne sont plus labourées, notamment pour préserver la pédofaune dont fait partie intégrante le lombric. Voilà, j'espère que ça vous aidera à préciser un petit peu l'ampleur du travail réalisé par les lombriques. Et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.